On s'est retrouvé face à un groupe très remonté et opposé à cette opération. Mais vous ne saviez pas qu'il y aurait un sit-in ? Non. Mais pourquoi vous ne l'avez tout simplement pas reporté, cette expulsion ? Mais c'est ce que j'ai essayé de faire en appelant M. Geoffroy à la préfecture. Seulement, il m'a donné l'ordre de continuer cette expulsion. Et vous confirmez ? Pas du tout, je suis très surpris par ce que vous rapporte le commissaire Becker. Pardon ? On a bien eu un échange téléphonique, vous m'avez en effet prévenu qu'il y avait plus de monde que prévu, mais vous m'avez surtout affirmé que vous aviez la situation sous contrôle. C'est totalement faux. Il ment.